perso, c'est Âme dans Vent et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Polypocket. C'est un Polypocket donc qui date de 1996 et qui s'appelle Jungle Adventure. Donc comme vous pouvez le voir, une fois fermé, il ressemble à un petit sac à dos, il est trop mignon. Et c'en est un que j'aime beaucoup et que j'avais eu la chance d'avoir complètement neuf. Donc il était encore dans son blister. Donc j'étais très 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 contente et donc du coup bah, il est complet celui-ci. Et le dos se présente comme ceci. Hop, et une fois ouvert. Tac. Il s'ouvre comme ceci et on a un accessoire qui va avec, c'est ce petit arbre. On a ici tous les accessoires que vous avez avec le poly, donc le fameux arbre, un appareil photo sur trépied, hop, un petit siège également. Un hamac, la poly que je vais vous montrer d'ailleurs juste après parce qu'elle a des articulations merveilleuses. Un petit animal et son petit sac à dos. Et donc comme je vous le disais, la petite poly elle est en mode aventurière, donc avec sa petite casquette sur la tête. Donc hop, elle a la tête qui tourne. On a également les petits bras qui bougent. Donc ça, c'est juste fantastique. Hein. Vous voyez la taille des polis d'avant. Hein, elles étaient vraiment toutes petites. Elles peuvent bien évidemment s'asseoir. Et elle a également le torse qui tourne. Donc ça, c'est juste génial. Pour ce qui est du poli en lui-même, on a juste un décor trop trop beau. Donc une espèce de cabane en fait, en pleine jungle, donc on a la nature tout autour. Ça c'est vraiment un truc que j'adore. Il fait partie de mes préférés d'ailleurs. Je le trouve super cool. Hop, et ici donc on a un élément également qui bouge. C'est une petite barque. Et donc de ce côté, on a une petite languette qui fait descendre donc. Hop. Et voilà, elle descend la rivière dans sa petite barque. C'est juste trop mignon. Et voici donc une fois tout assemblé. C'est juste vraiment trop trop mignon. J'adore ce petit côté dans la nature et à moitié aménagé. J'adore franchement, je trouve ça trop trop mignon. Donc voilà, vous pouvez mettre le petit arbre à cheval donc sur le poli, un emplacement donc juste là pour que vous puissiez le fixer. Ici, on a rajouté donc la petite chaise à l'emplacement fait pour. On a notre petit animal juste derrière, le petit appareil photo et notre poli qui est en train de faire bronzette sur son hamac. Le seul hic avec ce polypocket, c'est que la partie avec l'arbre ne peut pas rentrer à l'intérieur une fois qu'on plie le polypocket. C'est vrai que c'est dommage parce qu'à la base, ils avaient fait exprès de tout faire pour que tout rentre à l'intérieur une fois terminé. Mais c'est vrai que sur celui-là, ça ne fonctionne pas. C'est dommage, c'est dommage. Donc du coup, bah, l'arbre, je le laisse à côté du polypocket. Mais ouais, c'est un détail, c'est le seul hic de ce polypocket, je trouve. Eh bien, c'était donc ma review du Polypocket Jungle Adventure de 1996. J'espère qu'il vous a plu. Moi, sincèrement, c'en est un que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'avais envie de continuer sur des Polypockets qui me tiennent à cœur. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.